Salutations à tout le monde et à tout ce que Dieu vous bénisse. On est ensemble fouetté. Voilà, vous connaissez cette Thierry Zobo. Ça chauffe pas. Ouais, ce message-là, c'est pour Kamel, Sama, et Atiasco le Sultan, Olok Pacha et Ali le Côte, et toute la grande famille de la Yorogang. Ouais, beau, change. Voilà, petite Sama. J'ai compris un peu tout la mamaille des gens autour. J'ai compris un peu la mamaille de ses proches, la mamaille de ses vieilles mères. Mais tu vois, vous devez être toujours tolérant vis-à-vis d'elle. Et je pense qu'elle, là, tu sais, j'ai déjà sorti sur toi la dernière fois. Voilà, les morts m'ont appelé pour me dire non, tu n'as pas été trop dur, il faut être dur à toi. Mais moi, j'estime de ne pas être dur à toi parce que et tu dois comprendre. Tu vois, Arafat, là, il avait des proches. Il avait Olok Pacha. Il avait l'empereur. Olok Pacha, qui était toujours à côté de lui. Et Ali Loko, les autres sont arrivés. Mais tu vois, tu ne peux pas fermer. Tu ne peux pas le fermer totalement. Tu ne peux pas fermer Olok Pacha. Moi, à ta place, là, je gagnerais à mettre Olok Pacha auprès de moi. Tu mets Olok Pacha à côté de toi, ton mouvement continue. Tu mets Olok Pacha à côté de toi, ton mouvement continue. Kamel. Voilà. Tu mets Olok Pacha à côté de toi, c'est comme si tu as mis Arafat. Toujours, tu es toujours dans le sillon d'Arafat. Voilà. Pour moi, là, tu allais voir, discuter à Olok Pacha. Comment le vieux mort, ou bien ton petit, ou, non, pas ton petit, ton vieux père Olok Pacha. Voilà. Il allait gouverner ton mouvement. Ton magasin, là, Olok Pacha. Il peut faire partie de tes gérants. Il peut faire partie de tes managers. Il peut te donner les idées. C'est-à-dire que tu peux pas faire un mouvement et puis tu as fermé Olok Pacha. Tu as fermé son numéro. Un moment, tu t'as défendu dans tous les mouvements, dans tous les us. Olok Pacha t'a défendu. Donc, pays, c'est, mets un peu d'eau dans ton verre. Appelle Olok Pacha. Hein? Appelle la Yorogang. Appelle Ali Lokode. Appelle Ali Lokode de sortir avec toi. Politesse. Olok Pacha, quand tu l'écoutes, il a envie de dire certaines choses, mais il se réserve. Donc, Kamel Sama, moi, je te demande pardon, c'est Thierry Zobo, il faut sciencer. Il faut sciencer, et puis mets un peu de dans ton vin, n'écoute pas le mauvais oreiller que tu dors dessus deux jours. Ça veut dire la mauvaise fréquentation. Voilà, et puis il faut te saisir. Il faut demander pardon à ceux que tu dois demander pardon. Et le pardon, là, ça va te grandir, PC. Le pardon, là, ça va te grandir. Ça va te grandir, ça va pas te rendre tus. Voilà. Dis quand tu as fait, quand la grande famille Zobo, les parents d'Arafat sont sortis. Sur toi, tout le monde est sur toi. Voilà. Mais tu demandes, il faut écouter ce qu'il te dit. C'est une parole, un message de ton vieux père. D'un grand frère qui t'estime beaucoup. Et un grand frère qui estime la Yorogang. Beau, on est ensemble. Maintenant, Tiesco le Sultan. Tiesco le Sultan, toi, tu es vraiment malade. Toi, tu es vraiment taré. Tiesco le Sultan, toi, tu as réfléchi dans comment que toi, tu as fait buzz. Tu as eu les buzz à être de Bordeaux, le Mimi Abogaïs Pelé. Tu as eu les buzz avec. Le Zeus Arafat, tu as eu des baisses avec tout le monde. Même mon boss Moula, tu as essayé de rentrer dans ses 7 mètres. Mais ça ne t'a pas suffi. Tu t'en fais buzz de pornographie. Par exemple, toi, tu veux lancer ton soin. Bon, toi, quand tu regardes sur Facebook, là, sur YouTube même, ils vont bloquer ça un peu. Ils vont te demander quel âge tu dois regarder ta vidéo. Mais Facebook, là, c'est les gnignetons, les bébés. Nous, on a nos filles qui sont sur Facebook. On a nos enfants qui sont sur Facebook. On a nos enfants qui sont sur Facebook. On ne peut pas surprendre ça. Tu es en train d'apprendre quoi aux enfants? Donc le coupé décalé là, c'est la chienlit quoi. Le coupé décalé là, c'est de n'importe quoi. Donc toi tu étais petit, tu voulais te mettre en genre, toi tu es président du coupé décalé. Donc c'est comment ton mouvement? Ton présidentiel là, c'est comment? C'est de pornographie, gâter la tête de nos enfants dans le sens mauvais, méchant. Et vraiment une mauvaise éducation, une mauvaise réputation que toi tu veux donner à nos enfants. Toi tu es sous le sultan. Bon, il faut chercher à te revoir. Voilà, il faut chercher à te revoir. Donc comment tu es là? C'est même pas bon. C'est pas bon. Tu peux faire la musique là. Moi personnellement, hein, je peux faire la zik. Je peux faire la zik d'une manière. Tu peux te mettre bien dans la zik. Mais, buzz là, tu as eu buzz. Et quand tu t'es mis en bengue pour moi m'insulter, moi Thierry Zobo m'insulter, tu as appelé tous les morts, tes managers, et je me demandais pardon. Il y a tricou le pardon. Voilà. Maintenant, comment tu es en train d'aller là, où tu veux gâter nos enfants là? Mes frères, il y en a dans tes yeux. Il y en a dans tes yeux. Ils n'aiment pas ça. Voilà. Et puis tu continues à faire des bêtises. Les bêtises que tu continues à faire là, tu as me croisé sur ton chemin. Foutaise. Toi, tu dois être un acteur. Il y a besoin de toi-même pour tourner mon film. Voilà, la maman et des hommes de Dieu là. Le film que tout le monde est en train d'attendre. Tout le monde est en train d'attendre là. Tu vas tourner ça et moi. T'as compris? Tesco. Bah, tu es un acteur. Tu es un acteur. Tu sais, quand tu roules ta bosse aussi dans plusieurs choses, tu essaies de faire la zik, bah, tu aimes la zik, tu fais la zik, et puis bon, la zik, ça prend pas.
demande à Dieu de te montrer d'autres doigts ou encore. Au nom de chercher à rendre les enfants pervers, les enfants des gens à travers les réseaux sociaux, les mettre dans les pornographies, coin, coin. Même 45 000 francs pour donner à ta soeur, tu ne peux pas lui donner. Tu vas t'embaliser le go pour 25 000 francs pour ses mains nues, 20 000 francs pour grès. Toi, tu as des enfants, tu as des filles. Est-ce que tu peux accepter ça? Non, tu sais ce que c'est maudit, hein? Moi, tu ne peux même pas le louer ça. Salutations à tout le monde et à tous. Voilà. Le capitaine Azarapaou, le vieux loup de Bayouta. Mon frère sans le Dozofa Fabidja, la famille Ziyei Positif, salutations à la mère Esther, salutations à Diamant Noir, salutations à Koukao. Le film La Mama et des Hommes de Dieu, bientôt on va vous donner la date officielle du casting. Et soyez toujours présents. Mes remerciements à Pancho Rigate, remerciements à Milito, remerciements à Jules Beko, remerciements à ma soeur Montana, remerciements à Milito, remerciements à tous les acteurs déjà qui ont déjà donner les images pour faire la promo de l'affiche du film. Et c'est pour bientôt le film La Mama et des Hommes de Dieu. Donc vous avez le numéro, contactez-moi pour tourner dans le film. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, c'est Thierry Zo. Fouettez.